lunga. Il malambrui, il malambrui. Oh, non, non. Il malambrui, non, il... Ah putain, on se croirait gros. Oh là là, dans GTA ma gueule. Oh putain. Attends. Non, j'avoue, ce quartier il est chaud quand même. Ah ouais, non, ce quartier il est trop vif. Eh, tu voulais un truc ghetto, mon gars? C'est bon, t'as plus besoin de la com. Ok, les gens. On est là. Bon matin, il est très tôt. Ou pas? Vite fait, bon, moi c'est le veto, mais on a mis du temps à préparer nos bagages. 9h30, ah j'avoue. Et on se retrouve pour le troisième jour à San Francisco. Et là, on sait. Je sais pas ce qu'on va faire. On va faire des magasins, c'est ça? On va être sur la liste, je sais pas si on va faire. On va faire les magasins. En tout cas, je vais vous montrer où on sera après. Il y a du bruit, il y a des travaux, ça m'énerve. Vous voyez, c'est là notre hôtel. Voilà. Bref. Oh mon dieu. À chaque fois j'ai envie de vous dire plein de choses et j'oublie du coup quand je. Après je prends ma caméra. Mais quand je filme plat, je filme plat. Je filme pas, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Du coup, j'ai eu quelques problèmes cette nuit. Je sais pas si je vous l'ai dit. Non. En tout cas. J'ai commencé à avoir très mal à l'utérus. Vous savez ces contractions là. Quand vous avez les problèmes, les trucs des filles quoi. Et souvent en fait c'est des contractions de l'utérus qui provoquent des douleurs assez intenses et aiguës, qui provoquent des malaises, des vomissements, des trucs comme ça. Et bah c'est ce que j'ai eu à Tokyo en fait. Et j'avais que du spasmon à Tokyo et ça m'avait rien fait, bref. J'étais très mal, même si ça se voit pas dans les vidéos du vlog à Tokyo. Du coup là, ça m'est arrivé dans la nuit. Et heureusement que je suis allée chez le médecin et que j'ai pris plein de médocs. Et je lui ai demandé des trucs pour des règles douloureuses, donc c'est Antadis. C'est que sur ordonnance et franchement là, ça va bien. Alors deux fois il y a des petites douleurs, mais en tout cas là ça marche et ça me soulage énormément. Ce qui me permet de marcher. Ce matin, je ne pouvais plus rien faire. J'ai dû me faire couler un bain très chaud. Heureusement qu'il y avait une baignoire d'ailleurs. Parce que sinon, je sais pas. J'ai fait mon bain à 6h30 du matin parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus tenir. Ensuite, j'ai eu un problème. Donc là, un peu de blabla parce que j'ai l'impression que je ne parle pas trop. Je sais pas. Et ça sent la beuh partout ici en tout cas. J'ai eu aussi, je me suis fait arracher deux dents de sagesse en l'espace de un mois. Et la deuxième dent que je me suis fait arracher, je l'ai arrachée 5 jours avant de partir, de prendre l'avion. Et j'avais fait un abcès. Et ma dent n'était pas vraiment sortie. Voilà. Du coup, il y a 2-3 jours, j'ai commencé à avoir une boule et ça a gonflé. Ça me gênait beaucoup. Et j'ai eu peur de refaire une infection, mais je suis toujours sur antibiotiques. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'antibiotiques et j'ai les bains de bouche pendant 20 jours jusqu'au 15 octobre. Et là, ça commence à s'atténuer, je le sens. Ça commence à s'atténuer, mais bon, j'ai pas de douleur, ça me fait pas mal. Mais ça commence à partir la boule, je sais pas, la sensation, ou à moins que je m'habitue, je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà, ça c'est les genres de trucs qui te gâchent un peu le trip quoi. Parce que tu dis pas si ça va aller, si ça va pas, il faut que tu rentres en urgence, il faut que tu ailles au médecin, ça coûte cher. Voilà. Aujourd'hui il pleut. Je sais pas si vous voyez. Bon là il pleut que des petites gouttes, mais là s'il commence à pleuvoir fort là, je vais ranger mon appareil donc on va voir comment je vais filmer. Je suis désolée si vous entendez un bruit, il y a ma lance qui frottait contre l'appareil, du coup ça peut-être faire des clics-clics. Du coup oui, aujourd'hui il pleut, il fera un peu plus frais qu'hier. Hier au soleil, il faisait très bon, mais il y a tellement de vent qu'en fait il fait tout le temps froid. Et aujourd'hui il va faire à peu près 15 degrés, il n'est pas très chaud. Donc je me suis habillée chaud comme d'hab.
Pourquoi? Il y a plein de crapauds chez nous. Ah. Ok. Et une caméra, ça coûte cher. En plus, okay. Ça fait beaucoup de drogue après. Du coup, avec... je vous laisse parce que je peux me faire embarquer la caméra. Voilà. Ok, donc là, on est, je ne sais pas où vraiment, je ne sais pas. Mais on fait les magasins, regardez, il y a plein, il y a... Sur Million Street. Il y a Uniqlo, il y a H&M. Et regardez, en fait, là, il y a... Attendez. Il faut vraiment que je vous montre. Vous voyez, là, le Daiso? Daiso en rose, là. Et bah, c'est le 100e shop qu'il y a à Tokyo, enfin, au Japon. C'est trop marrant de voir ça, là. Je suis allée dans une boutique... Il y avait du Harry Potter, du Disney et tout, et il y avait du Ghibli. Mon Dieu, les gens, je sais pas. Il y avait tellement tout qui me plaît, que je voulais. Je savais pas finalement quoi acheter. Et, finalement, j'ai pas acheté. Il y avait des figurines de Gigi. Il y avait des t-shirts et tout, de chat ambulant, de Kiki Happy Sorcière. Il y avait un plaid avec Haru et Sophie. Il y avait trop de choses. Il y avait même un Tamagotchi que je voulais et j'ai pas pris. Donc là, on va à H&M parce qu'elle doit trouver un manteau parce qu'elle a froid. Ok, donc là, on va aller au Disney Store. J'espère qu'il est beau. Ce Tokyo, il est beau. Merci. Je m'attendais à avoir beaucoup de musique et en fait, non. Ouais, non. Et c'est calme. Ça, c'est encore si il est pété, il n'y a rien de bon, il n'y a pas de bon. Grave. Ah, Tokyo, putain, il est magnifique avec le château. L'ancien, celui de New York, mais avant le nouveau. Ah, je suis pas allée à New York, ouais, donc je sais pas. Il est grave beau. Ils ont le vent de c'est trop cute. Oh, j'adore. Toi, tu vois, si j'étais gay, je me baladerais toute la journée dans le gay, non, enfant. Enfant, ouais, pardon. Voilà. Parce que t'as pas besoin d'être gay pour le mettre. Non mais si je voulais recevoir des potes, c'est ça que je voulais. Gogo? Elle l'a ou pas? Non mais elle a juré d'arrêter les tasses. Ah ouais, elle m'a dit, ouais. Elle n'a plus de place. Si, j'adore celui-là. Les Jack. Gogo, je craque. Ah ouais? Je craque, regarde mon Dieu. Non, c'est pour le sapin en plus. Ouais. Putain, Cindy. Ouais. Peter Pan, je suis en train de craquer ma mère. Oh, c'est dingue. Je l'aime trop, Big Ben. Désolée, hey, mais j'aime trop Big Ben là. Hey, moi je veux Mouchou en peluche. Je veux trop Mouchou. Comme Mulan. Putain, ils ont fait exprès quoi, c'est ouf! Tu vois? Non, mais tu vois, c'est ce genre-là. Oh, truc de ouf! Regarde comme elle est trop mignonne! J'adore! Ça, c'est Maximus, ça, non? Ah, il est écrit. I smell of strawberry. Ouais, c'est la bouse. Waouh! Putain, je veux le prendre.
les gens, je suis au 7-Eleven. Je n'en trouve pas souvent. Donc là, j'en ai trouvé un. C'est pas ouf. Je préfère largement. Oula. Je préfère largement Tokyo ou Upper Island. Mais ouais, c'est un petit 7, quoi. Oui. On va manger ou pas? Il va tout manger. Et c'est quoi? Des bombecs. Ouais. Oh, comme les ficellos. Bébé, c'est comme les ficellos. C'est ouf. Bah non. Ils ont l'air cool tous. Tu dis, regarde, on dirait des ficellos. C'est des ficellos. C'est comme des ficellos. Je vais en prendre deux. Pardon, c'est bon. Ah, il y a des fruits. Des fruits. Des cakes, des salades. Des sandwichs. Des maquis. C'est quoi ça? Oh, ça doit être trop cool ça. Eh B, ça doit être trop cool ça. Ouais, bah sinon prenez-en un plusieurs. Parce que Go, il voulait goûter. Eh hey, Go. Stop. Oulala. Là là. Oula, il est trop liquide. Oh merde, je suis pas rentré. Il est trop liquide. Ah, ça va être dégueulasse. De toute façon, faut même pas faire ça au frais. Ah, ça va être dégueulasse. Ça a l'air grave bon. Attends, on a pas vite bleu, je crois. Ah non, c'est celui-là. Non, il marche pas. Il n'a pas. Et maintenant, il faut prendre. Et on prend nos pailles. Si, t'as des pailles, c'est ça, non ? 1 dollar. Des pailles à louer. Non, c'est des pailles bonbons. Regarde là avec le mort. Wow, le ouais, fou, il est magnifique. C'est parce que c'est du coca en fait. Non, c'est vraiment bon. Ouais, ça sent bon bon. Pito, sa mère. Elle boit tous les étages. Oh. Ça sent bien. C'est bonbon. Hein. La gogo, c'est une poubelle, elle aime tout. Oh, ah là, t'as pris pile poil à la jonction là. C'est bon? Ouais, c'est pas mauvais, c'est très. Pas chimique. Et moi? C'est des crottes. En fait, qu'est-ce que tu fais, toi, depuis tout à l'heure, Prénasse? Bah, hein? Rien. Bon, on arrive dans le quartier chinois où on est venu pour le jour 1 et je vous ai filmé la nuit. Et là, on va le faire en journée. Et on va sûrement manger chinois. Ah, j'ai hâte en tout cas. C'est quoi ça? C'est quoi? Elle médite. Il médite. Regarde, ça va dans les deux côtés. Bah ouais. Famille d'Afaïs. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle a des gros doigts noirs. Je sais pas ce qu'elle fait. Ça fait mal d'avoir les bras levés, non? Wow. Ah. C'est ça? Ah non, c'était. Tu pensais que c'était quoi? Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. C'est au miel et à la fleur? Du thé blanc? Eh ben, c'est là que t'es de vite qu'il faut acheter les adaptateurs. C'est dans un. Ah ouais, il me faut un adaptateur. Putain, merci beaucoup. J'ai pas d'adaptateur. Ah, regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des pop. Tu crois que je peux faire un film ou pas? Si elle veut pas dire ah non, on va laisser. Genre, c'est pas moi, je la vois. Fanny, regarde. Oh oui! Je sais que tu le voulais. La Totoro. Toto. Tac.
Ah bon? Non, Naruto, tu connais pas? Non. Naruto. Itachi. On va manger dans le grand truc sinon. Katsei. C'est vraiment une grosse cantine. Ouais, ça fait une énorme cantine. Oh. Avec grand car apprenti. Il est où, Franck? Ah, il est là-bas. Ça détend, non? Hein? Ça détend? Moi j'aime bien. Tu sais qu'on est passé le soir, tout était allumé, c'était vachement joli. Puis là il y a toutes les petites lanternes accrochées. C'est pas pareil, hein? Ouais, on dirait un truc planté là. Ouais, c'est grave beau de nuit. Ouais, on dirait pas un truc planté. Ah, il y en a un deuxième père à fond. Ça, il a une chèvre, donc il a un trou, donc il a mieux gagné ça. Il serait par là, non? Ouais. Or if you keep in the fridge, it's more crunchy. Okay. So yeah, you can see. Oui, c'est ce qu'ils avaient dit. Thank you, Rebecca. Have a good day. C'est ça que je veux. Hello. Hello. How much for the box? It depends on which flavor do you prefer. We have the this white thing is the original flavor. Yeah, it'd be $9. And what also we have flavor? The combo flavor. Oh, and mix. Yeah, we have the combo flavor. The combo means that you can try like half original and then half like the coffee or strawberry or mango. Regardez, c'est ça que j'ai pris à Tokyo, vous vous rappelez? Regardez, c'est ça. Les originales, alors c'est les blancs, ils sont à la cacahuète et voilà, à côté c'est au café. C'est parfait. Ce bâtard, il a dit t'as pris le café parce que tu voulais pas qu'il goûte. C'est pas moi, vrai. Je serais toi, je fais. Alors j'adore l'éclair au café. Bon, vous me faites chier là. Ok, tout le monde, on se retrouve, il est. Qui écoute pas? Il est 17h20 et on a récupéré la voiture en direction du prochain hôtel qui est à côté de Yosemite. C'est ça, on fait Yosemite demain. Mmh. Et une demi-heure de Yosemite? Ouais, je crois à peu près. À peu près une demi-heure. Regarde sur la carte. Ouais, donc l'hôtel il sera à peu près une demi-heure de Yosemite. On va dormir, on va faire deux jours à cet hôtel là. De toute façon, je vous montrerai l'hôtel et tout ça. Et là, on en a pour à peu près 3 heures. De route 2h30, 3h. 2h30, 3h de route. Oh oui, aujourd'hui je n'ai pas trop filmé parce que aussi il pleuvait et du coup bah, ça pouvait abîmer l'appareil, donc j'ai pas trop sorti l'appareil. Ensuite bah, je me suis sentie pas très bien, du coup je n'ai pas non plus, même quand il pleuvait pas, bah, je n'ai pas sorti l'appareil parce que j'étais pas bien du tout. J'ai acheté des Lucky Charms parce que c'est trop bon. On avait goûté ça. C'est des cookies. Genre, t'es obligé de faire des cookies. Birthday, Frosting. Voilà. C'est. Ça sent et ça goûte exactement comme les Napolitains. Voilà. Moi, les Napolitains, j'en ai beaucoup mangé en tant que petite collation et ça a vraiment le même goût. C'est pas mauvais, hein, ça sent. C'est assez bon. Bon, je crois qu'on va se retrouver plutôt à l'hôtel et pas avant, ouais, parce qu'il y a de la route et c'est pas intéressant. Oui, dans votre cage. You Pandy. Bon, putain, les gens, on est arrivés. Aïe, aïe, aïe. C'est dans le Portugal. Cindy.
c'est là notre hôtel. C'est trop mignon. Il est tard, hein, on a mis genre quasiment 6 heures, je crois, pour arriver. Hein. Il y a eu trop de bouchons, quoi. C'était insupportable. Je sais pas, mais... Je connais pas. Oh, c'est sûr, tu es en train de couper. Tu me dis ? Moleste. Tu me dis ? Ça sent le Portugal. Ouais, ça sent, j'ai trop froid. J'avoue, il fait froid. Bon, allez. C'est les balises. On est arrivé dans la dans le truc de l'hôtel et c'est trop mignon. Faut que je vous montre. Ok. Déjà dehors c'est trop chou. On voit déjà une maison de poupée. Cindy, on est pas dans une maison de poupée. Elle a dit on a checké un ciné, mon gars. J'ai pas encore vu la salle de bain. Et c'est super grand, regardez. Comment c'est immense. Donc là vous avez la porte. Une orgie n'importe quoi. Là, vous avez les fenêtres, la table, la télé, canapé relax, putain, il y a un canapé relax. Canapé, une porte ici, miroir, petite chaise de place, des grands lits, un grand placard, regardez. Et là, vous avez un coin... et tout, et apparemment la douche elle est immense. Ah, j'avoue c'est immense, mais c'est axé pour handicapés et tout. Ça, c'est super cool. C'est trop mignon. Bon, allez, on va déballer, on va se mettre en pige et on va dormir. Je vous dis à demain.